Coucou, séance féminin masculin 2 pour Minecraft sur ma map escarpée. Alors là, on est en semaine au moment où je filme. Et normalement, je ne fais pas ça parce que j'aime bien avoir du. Enfin, j'aime bien être tranquille quand je filme et ne pas me dire que je vais bosser le lendemain. Mais j'ai envie de faire un truc depuis un petit moment. Et comme j'avance pas mal sur ma map escarpée, j'ai envie de le faire avec vous parce que ça va être la première fois que je le fais de toute ma vie de Minecraftien. J'avais envie de le montrer avec vous. Mais avant ça. Je ne vous dis pas ce que je vais faire, hein, petit teasing. Mais avant ça, je vais vous montrer l'étage, parce que j'ai enfin fini le premier étage de ma maison. Oui, alors je viens de dormir dans ma chambre, du coup, vu que j'ai fait une chambre. Mais je voulais pas que vous spoiliez le lieu, donc du coup, j'ai fait passer la nuit. Donc, premier étage, là vous allez voir, ça a bien changé. Oh, alors là, c'est l'espace, on va dire, bibliothèque, bureau. Parce que oui, le bureau, normalement, il est censé être en bas, si vous vous souvenez bien. Mais du coup, je l'ai changé et en bas, enfin, le coin bureau, je l'ai mis en haut. Et en bas, du coup, j'ai juste mis une sorte de petit parterre de fleurs avec des vitres. Bon, voilà, c'est pas... c'était histoire de mettre un truc, quoi, mais... Oh, je pourrais mettre un meuble, remarque. Bon, on verra. Enfin, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, je suis assez content de cet endroit, j'aime bien. Avec des... Alors, une sorte de faux tableau qui fait 4 cubes, enfin, qui fait 4 de place, mais qui est en fait des panneaux, hein, voilà. Mais ça fait... Je trouve que ça peut faire un tableau. Alors, bien sûr, hein, y a des espaces entre les panneaux, mais bon, c'est pas gênant. Enfin, je trouve que ça fait une certaine cohérence, donc moi, ça me plaît bien. Le petit tapis qui va bien, voilà. Donc là, il y a une séparation ici qui met une sorte de petit endroit qui permet de passer dans la pièce à enchantement que de toute façon, vous connaissez très bien, hein, voilà. Donc là, c'est un meuble que j'ai fait juste pour faire un peu de déco. Pareil des plantes, mais moi, dans les maisons, dans les jeux, je suis à fond sur les plantes alors que dans la vie, ça me gonfle un peu. Voilà, ma chambre. Bleu, bien sûr, puisque j'aime le bleu. Donc, en haut, c'est du cyan. Au sol, c'est du bleu clair. Et mon lit en bleu marine. Et là, ça, c'est de la neige. Parce que je me suis fait une ferme à neige. Donc, voilà, de la neige pour faire les coussins. Donc, j'ai quand même mis le lit qui fait une sorte de mini canapé pour pouvoir dormir dedans. Parce que c'est bien de faire des chambres, mais si vous ne dormez pas dedans, enfin, si votre point de spawn n'est pas dans votre chambre, c'est dommage quand même. Donc, c'est vrai que le lit, je ne sais jamais où le placer dans la maison, parce que à la base, voilà, c'est, j'aime pas la forme, enfin, j'aime pas la tronche du lit. Mais je crois qu'en fait, je vais le faire blanc. Je pense que je vais tout faire blanc pour que ça puisse aller un peu partout. Comme ça, je pourrais spawner dans les endroits que je veux. Dans les maisons, parce que c'est vrai que, ouais, je vais le recolorier sur Photoshop, et puis je vais tout mettre en blanc pour que ça fasse une sorte de banquette unique, ouais, de banquette unie plutôt. Donc là, c'est une sorte de pseudo armoire, voilà. Donc ici, on accède à l'espace aussi un peu jeu d'échecs et avec une belle vue quand même sur l'extérieur, donc une sorte de pas de serre mais de véranda, on va dire. Enfin, une véranda en hauteur, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, bah, j'allais dire... Ah, mais non, c'est pas tout, j'allais dire c'est tout. Non, non, non. Et là, la salle de bain. Voilà. Avec la baignoire, bien sûr, les boutons pour l'eau chaude et l'eau froide, et puis le robinet. Alors ça, pourquoi j'ai mis des boutons, là, ici, c'est pour faire genre une sorte de mur en galet ou je sais pas quoi. Puis c'était pour faire ressortir aussi un peu la fenêtre, pour que ce soit peut-être plus... Pas plus vivant, mais plus... Que ça pète plus aux yeux. Enfin, bref, c'est une idée comme ça. Ah oui, j'ai fait un contour aussi en trappe. Je me suis dit que ça peut être pas mal. Là, bien sûr, j'ai mis un miroir que j'ai fait avec un panneau. Ça s'appelle comment ça? Des pancartes ou des panneaux? Non, des banderoles. Des bannières, voilà, des bannières. Je savais bien que c'est commencé par un B. Voilà, donc ça fait comme un miroir, je trouve. Donc ça fait assez sympa. Enfin, un miroir, comme hein, avec... On fait ce qu'on peut dans Minecraft. Hein. Bon. Donc là, c'est censé être un porte-serviette. Oui, alors c'est les échelles. J'ai changé mon skin d'échelle parce que j'aime bien ce genre d'échelle, je préfère. En plus, pourquoi j'ai mis ça aussi? Parce que ça pourra me servir à faire des sortes de tiroirs pour des meubles. Donc c'est pour ça. Et puis je préfère les échelles comme ça. Les autres, elles sont... Enfin, c'est le genre de truc que j'utilisais pas trop pour la déco, les échelles. Et moi, j'aime bien pouvoir utiliser tout ce que je veux et tout ce dont on a besoin, enfin tout ce dont on a à disposition pour pouvoir faire de la déco. Donc l'échelle là pour le coup me servira. Je vous montre vite fait avant de vouloir faire ce que je veux faire. Je vous montre vite fait ma ferme à arbres qui est
vraiment, oula, oui, très fonctionnel. D'ailleurs, j'arrive même plus à passer. Je vais mettre en F1 par contre, parce que là, je suis pas en game mode. Voilà, donc ma ferme à arbre que j'ai espacé en fait d'un cube de chaque pour que ça pousse mieux. Et oh punaise, oui, ça pousse bien là. Oh, bah, et ça pousse assez vite. Et franchement, j'ai beaucoup de bois et le sapin, nickel. Hein. Alors là, les sapins, je ne sais pas si vous étiez au courant. Moi, je l'ai vu dans une astuce, sur une vidéo d'astuce Minecraft. Quand vous en mettez 4 comme ça, ça vous fait un arbre comme ça. Donc autant vous dire que là, le bois, il ressemble à un tronc de, à un tronc brut de, bah de chêne en fait. Mais quand vous le coupez, ça sera un tronc brut de sapin. Donc c'est juste que extérieurement, ça ressemble à du chêne, mais quand vous allez le récolter, ça va ressembler à du sapin. Donc c'est, et puis je peux vous dire que là, ça va jusqu'en haut. Hein. C'est immense. Là, vous avez au moins un stack, mais même plus. Je suis con, moi, vous en avez beaucoup plus. Donc, bah d'ailleurs, moi, maintenant, le bois de sapin, il me sert pour faire mes... je les embarque avec moi pour pouvoir me faire mes bâtons et tout, hein, parce que voilà. Donc là, ça va pousser tout seul, normalement. Là, c'est ma ferme à neige, que je voulais utiliser pour faire de la déco, en fait. Mais bon, la neige, il ne faut pas qu'elle ait de lumière à côté, au-dessus de 12. Donc moi, vu que j'éclaire toujours très bien, ça pose un peu problème. Puis j'aime, enfin la neige, je verrai bien, mais bon, je me dis, on sait jamais, si je veux une ferme à neige, je l'aurai. Donc maintenant, on va faire ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire avoir un cochon. Alors pourquoi avoir un cochon? Parce qu'on peut se déplacer avec un cochon, et j'ai envie d'essayer en fait. Alors je sais que je l'ai jamais, enfin je sais que je l'ai jamais, je sais que c'est, il y a des chevaux si je veux pour me déplacer, mais je trouve ça drôle, donc j'ai envie d'essayer. Alors il faut des bâtons. Pourquoi je répète ça? Je suis débile. Et du fil. Hop, faut faire une canne à pêche en fait. Parce que après, je vais prendre une carotte pour pouvoir guider le cochon. Donc, je crois que c'est ça. Ouais. Alors après, la canne à pêche, elle s'use, mais c'est pas grave parce que la ficelle... Ah, remarque, la ficelle... Ah non, je peux enchanter la... Oui, j'ai vu qu'il y avait un enchantement pour la canne à pêche qui était en mode incassable. Oh, ça serait trop bien que je tombe dessus. Mais bon. Tiens, au passage, petit coucou à je ne sais plus qui. Je crois que c'est Mominou. Qui m'avait parlé, en fait, du... Non, je pense pas que c'était toi. Qui m'avait parlé du sort, enfin, de l'enchantement touché de soi. Et je t'avais dit, justement, que c'était hyper galère à avoir et tout. Eh, dans mon village PNJ, à force de faire du marchandage avec les PNJ, j'ai le sort touché de soi niveau 1 disponible comme achat. Alors, c'est un peu cher, mais du coup, j'ai pensé à toi, je me suis dit, bah, c'est marrant que du coup, je l'ai disponible, c'est assez drôle. Et donc, je pense que je le prendrai peut-être un jour ou l'autre, peut-être, je sais pas. Alors, carotte, ben, je suis un peu débile, là. Si je fais ça, c'est bon? Non, c'est pas, ça marche pas? Ah, oh, ça commence bien. Ah oui, d'accord, il en faut juste un, en font un en diagonale? D'accord, ok. Hop. Alors... Oh, je sais pas comment ça va marcher. Ah, mais il me faut une selle aussi. Oh, mais je suis débile. Ah, mais je suis pas habitué, donc bon. Mais c'est pas grave, il y a des cochons qui spawnent à mort là près de chez moi, donc ça va prendre 2 secondes pour les trouver, mais... D'ailleurs, j'en ai tué quelques-uns. Bon, j'en tue pas beaucoup, remarque. Alors, les selles, je vous rappelle que ça ne se crafte pas, donc... Voilà. Ah, mais c'est ça, en fait, qui est chiant. Ouais, faut faire en sorte que le cochon, il crève pas, parce que bon... J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo... Comme on faisait pour les apparatés. Je sais qu'il faut mettre la selle dessus. Et après, je monte dessus avec la truc dans la main, je crois. Mais je suis pas sûr. On va essayer. Parce que si je paume ma selle... Non, au pire, je le tue puis je la récupère. Voilà. Et là, si je prends ça, c'est bon. Ah, c'est trop drôle. Non. Qu'est-ce que... Je fais comment pour le faire avancer, en fait? Merde! Ah, purée, bah, je vais devoir faire un retour Windows quand même pour voir comment je le déplace. Je voudrais avancer, ça veut pas. Hein. Il est con ou c'est moi qui suis con? Merde, excusez-moi, j'ai pas refilmé du coup. Mais en gros, je sais pas trop comment j'ai fait. Regardez ma... Oui, j'étais en train de reparler tout seul en oubliant que j'avais pas remis mon fraps, désolé. Mais regardez mon bâton, là, il l'a bouffé en 30 secondes chrono. Mais vraiment.
Ah ben voilà, ça marche plus. Mais c'est nul! C'est nul! Casse-toi! Tiens, voilà, donne-moi la selle. Ah, on récupère la selle, donc c'est vrai que c'est bien. Je suis dégoûté, je pensais que c'est... Mais c'est pas... C'est bizarre! Ça a l'air plus simple expliqué dans le wiki. Ah, je suis dégoûté! Bon, bah voilà, j'ai bien fait de vous montrer la déco de la maison, parce que au final, c'était nul. C'est nul! Je rigole parce que je m'attendais à un truc limite épique, ce qui est un peu con, hein. Excusez-moi, je me fais rire tout seul parce que le mec qui attendait un truc de dingue de... Non mais il a bouffé la carotte à une vitesse, c'est abusé. Tandis que, à la limite, incassable, ça pourrait... Non, parce qu'à chaque fois, il faudrait que je remette des carottes. Non mais faut être équipé de carottes à mort, là, hein. Ah, je suis dégoûté. Bah, ouais, c'est dommage. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Non, je comprends pas. Solidité 1, ouais, super, on est content. Oh, pareil! Attendez, j'y pense. J'ai trouvé aussi le sort fortune disponible chez les marchands, là, dans mon village PNJ du désert. Ah non, mais eux, ils sont au taquet, hein, au niveau... Alors, entre le sort butin, l'enchantement butin, je m'en suis acheté... Je pensais que j'en avais acheté deux, mais non, il est là, l'autre. Butin, voilà. Je me suis refait une épée en diamant parce que plutôt que de la repayer en mettant 4 diamants pour me reprendre l'épée, non, pour la recharge, enfin pour la reforger, j'en ai refait une autre. Voilà, ça sera moins chiant après. Puis elle dure vraiment longtemps, l'épée en diamant. Hein. Et puis en plus, comme elle est tranchée en deux, je mets deux coups pour tuer les monstres. Donc au final, elle dure vraiment longtemps. Apnée, ouais, c'est ça, ce sera pour autre chose. Ouais, j'ai fait un coffre ici pour les sorts. Donc du coup oui, le sort fortune, je vais en prendre. Je crois que je vais en acheter deux. Il me semblait que j'en avais acheté un déjà. Non? Ou alors je l'ai déjà remis dans une pioche. Ouais, je trouve ça bizarre. Bon, on s'en fout. Ah, la déception. Mais c'est parce que je pense que je m'y prenais mal, mais j'ai pas trop compris. Je crois que en le faisant. Enfin, moi, j'étais sûr qu'avec la canne à pêche carotte dans la main, je pouvais avancer tranquillement. J'étais coincé, vraiment, il voulait pas. Attendez, vous savez quoi? Je vais réessayer. Non, ça me paraît bizarre. Oh, on peut pas le faire, là. Ah oui, voilà. Je vais réessayer. Bah, j'ai la selle, alors à la limite, je m'en fous. Bon, je le fais la nuit, c'est peut-être pas très malin non plus. Bon, on va encore se recoucher. Oh, je suis déçu là, dis donc. Je transpirais d'excitation. Oui, c'est parce que j'ai chaud aussi, surtout. On crève là. On crève de chaud chez moi. Puis en plus, là, moi je travaille dehors. Donc là, je me suis pris deux coups de soleil en deux jours. Lundi et mardi, là, je suis rouge, mais purée, c'est un truc de dingue. Ce qui est un peu dangereux d'ailleurs. Mais enfin, bon, bref. Donc, si je te monte dessus. En faisant J, non? Ok. Ah, mais c'est ça, en fait. Attendez. Ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'appuyer. Faut juste que je le guide comme ça. D'accord. Ouais, mais c'est rigolo, mais il avance, il est de tension. Et c'est en faisant un clic droit que... Il va plus vite. Eh ben non, j'ai rien compris. Ah non, c'est en faisant contrôle. Oh là là, mais ben, oui, tu cours, quoi. Oui, bah, j'ai pas l'impression. Alors, j'ai pas l'impression d'aller plus vite que. Alors, le seul avantage, comme tous les animaux, hein, comme les chevaux, c'est que j'ai pas besoin de faire la touche de saut pour grimper les blocs de 1 de hauteur. Mais sinon, je trouve ça pas intéressant. Enfin. Ah! Attends! Attends! Non! Arrête-toi! Arrête-toi! Je trouve pas ça intéressant en fait. Ah oui, si. Ah si, ça va vite là quand même. Ah oui, contrôle plus le fait de qu'il bouffe la carotte, de faire un clic droit sur la carotte. Oui, là il est revenu. Ouais, c'est pas très clair quand même le fonctionnement là. Hein. Moi je pense surtout que je comprends rien à mon avis. Bon bah écoute, hein, tu vas mourir. Hein. Ouais, je récupère la selle si tu veux. Hein. Il y a un moment. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais plutôt m'orienter vers un cheval. Et je vous prendrai aussi quand je ferai un cheval, parce que je ne l'ai jamais fait non plus. C'est pour ça que je me garde toutes les pommes que les chaînes drop.
parce que c'est vrai que je sais pas trop. C'est enfin, c'est l'arnaque. Non, mais c'est pas l'arnaque, mais c'est pas drôle, quoi. Je pensais que c'était plus rapide que ça. Mais est-ce que ça dépend des cochons, comme les chevaux, là, leur vitesse dépend de leurs caractéristiques. Enfin, ils ont leur propre stat, on va dire. Ah, je suis dégoûté. Bah, tiens, je vire la carotte carrément. Je m'en fous. La carotte, là, le bâton. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça, sur ce fail, sur ce truc super intéressant. Oh, je suis dégoûté, parce que vous avez vu les armures, j'en avais trouvé un paquet aussi. Hein. Voilà, bah, vous voyez un petit peu mes loot comme ça, enfin mes coffres, c'est bien. Bon, bah voilà, déception totale. Je m'attendais vraiment à un truc plus rigolo que ça, je suis très déçu. Bon, bah tant pis, voilà. Bon, au moins vous aurez vu la déco de la maison. Ça y est, tout est fini, tout. Enfin, tout. Intérieurement, parce qu'extérieurement, hein, il y aura encore du boulot, hein, puisque je vais encore faire la ferme à arbres, je vais la continuer. Donc bon, ça je vous montrerai plus tard, mais je trouve que déjà là, c'est vrai que quand je vois comment c'était avant, c'est vrai que j'ai quand même bien bossé, je trouve, je suis vraiment content. Voilà. Mais quand j'y pense, ça fait sur un an déjà, hein, que je fais ce... que je suis sur cette map, je viens de me rendre compte, puisque j'ai recommencé une partie quand j'ai acheté mon ordi, et c'était en mai. Non, en mars 2016, on est en 2017, mai 2017. Ça fait déjà un an que j'ai déjà mon ordi et un an que j'ai rejoué à Minecraft. Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera plus tard. Bisous.